Parmi tous les ingrédients nécessaires à la réussite d'un événement comme la Grande Semaine figurent bien sûr les exposants. Ils sont nombreux ici au Grand Parquet de Fontainebleau. On est parti à la rencontre de quelques-uns. Nous sommes avec Benjamin, CWD, très présent sur la Grande Semaine. Benjamin, expliquez-nous un petit peu les raisons de ce partenariat. Alors CWD est une marque de sport assurément, que ce soit à haut niveau ou dans les débuts des chevaux. C'est-à-dire qu'on suit généralement les cavaliers sur le terrain, on les équipe, on fait des partenariats. CWD est une marque qui est vraiment dans le bien-être animal. Où on souhaite récompenser donc le meilleur cavalier, le meilleur jeune cheval et aussi entre guillemets un petit peu le meilleur éleveur. Ouais. Il y a tout un suivi hein, sur le circuit. Hein. On est à la Grande Semaine, c'est la finale, c'est le temps fort, mais c'est sur toute la saison hein, que vous êtes présent. Hein. C'est sur toute la saison et j'ai envie de dire sur toute la France, puisqu'effectivement on suit énormément de concours, de partenaires, on participe au CIR. À beaucoup d'événements, donc jeunes chevaux et pas que, comme vous pouvez savoir. Mais oui, notre volonté, c'est vraiment d'être dans le sport dès le plus jeune âge. Avec un matériel adapté aux jeunes chevaux aussi, il y a des choses qui sont faites là-dessus? Alors avec des matériaux qui sont effectivement adaptés aux jeunes chevaux, on a un bureau d'études, recherche et développement qui nous permet de faire évoluer nos produits, d'avoir les meilleures portances, donc pour avoir une selle qui répartit bien les pressions de mouvement. Des selles qui nous permettent aussi d'avoir de la liberté de mouvement. Ce sont les deux choses qui sont vraiment essentielles pour avoir une selle très adaptée sur le dos des chevaux. Et là-dessus, on a une bonne team, que ce soit à la production, sur le terrain, les retours terrain aussi, les cavaliers qui nous disent « Tiens, on va peut-être faire ça. » Voilà. Donc CWD est vraiment, je pense, une marque de sport qui va dans le sens du bien-être animal. Okay. Et là, ici, à la Grande Semaine, il y a un beau cadeau en plus pour le vainqueur, hein, je crois. Alors, il y a plutôt, effectivement, un chouette cadeau, puisqu'il y a une selle à gagner qui va récompenser donc, le meilleur couple cavalier-cheval. Où là, j'aurai donc un représentant, un expert en selle de sport qui viendra prendre les mesures sur le dos du cheval. De manière à l'adapter parfaitement et qu'elle soit adaptée aussi parfaitement au cavalier. Adaptation, c'est le mot. Ouais. Merci beaucoup Benjamin. Avec plaisir. Figurez-vous qu'il y a des miracles à la Grande Semaine puisque ici la semaine dernière il n'y avait rien et qu'aujourd'hui il y a des belles écuries. Et le responsable de tout ça, c'est Grégory, Cheval de Liberté. Grégory, c'est assez fabuleux comme emplacement ici. Ouais, c'est assez sympa, c'est un nouvel emplacement qu'on inaugure cette année. Donc on va voir si les gens arrivent jusque là, mais ça devrait faire. Ouais. Bah, 3 jours, 4 jours de montage à peine, ça, oui. Et on a des écuries, c'est assez magique. Ouais. C'est important pour vous d'être présent sur la Grande Semaine, d'être partenaire avec la SHF? Bien sûr, parce que c'est grâce aux compétiteurs qui vont sur les circuits SHF qu'on existe, sinon on ne vendrait pas de matériel. Voilà. Vous avez une petite affection pour les jeunes chevaux? Là ici on est sur le cycle libre, c'est des amateurs, c'est aussi une clientèle pour vous? Bien sûr, les amateurs démarrent, donc ils démarrent toujours sur plus petit, donc ils ont besoin de transporter un cheval, 2 chevaux, et donc nécessairement un vent est quelque chose qui s'impose, tout le monde n'a pas les moyens de s'acheter un petit camion motorisé, donc on se doit d'être là, et puis ensuite il y a l'éleveur, le jeune cavalier qui a besoin de mettre un abri, de mettre un box, voire même un barn. Et tout le monde a besoin de s'équiper, on est là pour ça. D'accord. Et vous êtes là aussi pour récompenser, parce qu'on l'a vu sur les poneys déjà la semaine dernière, ici sur la Grande Semaine du cycle libre, il y a des belles récompenses. Oui, tout à fait. Ben, c'est un juste retour des choses, on ne peut pas que gagner, il faut aussi montrer qu'on est heureux de faire partie du système et c'est pour ça qu'on est là pour les récompenser, en tout cas les meilleurs, et par des petits et des plus gros cadeaux, comme des vents. Vents carrément? Ça va des vents? C'est quoi vos cadeaux? On offre donc l'utilisation de vents pendant 15 mois, on offre des mâles, on offre pas mal de petites choses, des porte-selles, des porte-filets, en fait on est là pour essayer d'offrir tout ce qui peut servir à un cavalier, bon, pas que la casquette. Okay. Bon, on prendra la casquette quand même. Hein, voilà. Merci beaucoup Grégory, ça va rester là de toute façon jusqu'à la fin de cette Grande Semaine, on est c'est d'accord ça, jusque dimanche de la semaine prochaine. On peut venir visiter les écuries. Donc, voilà, quand vous voulez, on vous attend, avec plaisir. Génial, merci beaucoup.
La convivialité à la grande semaine, c'est évidemment une évidence. Et le point de rassemblement, c'est le bar à champagne. Avec Delphine, des champagnes, Nanet, des côtes. Partenaire de la SHF, du CIR exactement, oui. C'est depuis longtemps ? Depuis, alors en fait, on a d'abord été partenaire de la SHF depuis une douzaine d'années maintenant. Au départ à Pompadour, à la grande finale Pompadour, de complet. Et puis petit à petit, on a rencontré les juges, les personnes responsables de la SHF, et puis après le CIR, etc. Donc, voilà. C'est l'endroit de rencontre, comme je le disais, la convivialité, c'est important. Ça. On sait que le bar à champagne, c'est on se retrouve où ? Au bar à champagne. C'est ça. Au départ, c'était on se rencontre, mais c'est où le bar à champagne ? Et maintenant, on entend même les gens dire on se retrouve chez Nanet, quoi. Donc pour nous, ça veut dire qu'on a tout gagné, quoi. Voilà. Il y a une ambiance particulière ici pendant la grande semaine, ces jeunes chevaux. C'est du travail, mais c'est aussi un moment de rassemblement, de rencontre. On rencontre beaucoup de nos clients. Certains sont devenus des centres, enfin des petits dépôts, quoi, des amis, des. Enfin voilà, derrière, on a tout un commerce sur toute l'année. Je veux dire, 30% de notre clientèle maintenant a un rapport de plus ou moins loin avec le monde du équestre. Les vainqueurs, en plus, ils remisent des prix. Oui. Ils ont alors, une petite récompense. On a des récompenses. On offre à chaque vainqueur soit une bouteille ou un magnum ou une bouteille de prestige. Les bouteilles de notre cuvée tradition sont étiquetées au logo de la SHF, mais ils font partie de nos cuvées traditionnelles de la maison Nanet des Côtes. On peut les garder quand même. On peut les boire aussi. On peut tout faire. Est fait pour boire. Alors, on l'a dit en préambule, on a voulu redonner une importance ici à la place gourmande. Vous l'avez senti, cette importance ? Oui, déjà depuis hier soir, c'est un bon point de ralliement. Ok, et c'est pas fini. Bah non, c'est que le début. Il y a des bouteilles au frais ? Oui, tout va bien. Bon, vous pouvez venir au bar à champagne. Merci Delphine. Merci.